Salut à tous, c'est Evilman, pour changer. Vous avez survécu jusqu'ici, bravo, vous êtes un dur à cuire. Mais l'épisode 2 n'était qu'une mise en bouche des événements à venir, car il est désormais temps d'aller botter des culs en enfer. Épisode 3, mission 1, Hellkeep, avec 100% de secret, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, bon, on est en enfer, déjà le décor change radicalement, c'est pas très très accueillant, mais on va faire avec. Bon, alors quand vous commencez ce niveau, vous voyez, donc comme je le rappelle, on n'a pas d'armes quand on commence un épisode, donc on est obligé de se faire des petits imps au pistolet, donc eux vous pouvez les éliminer assez facilement, il y a de la place, c'est pas très très difficile, mais les choses vont se gâter un petit peu après. Donc ce niveau, qu'on soit clair, c'est le plus pourri du jeu. Voilà, hein, je vais pas mâcher mes mots. C'est le plus pourri du jeu. Le level design est vraiment basique. Il est court, il est simple. Il n'y a qu'un seul secret, il est mal dissimulé. Franchement, c'est moyen. Bon. Alors là, il y a deux Kaiko Demons. Eux, on va pas se les faire au pistolet parce que c'est très long. On va plutôt les esquiver. On va passer par là. Là un medkit, là le shotgun. Alors là faut passer très vite. Là, je vais vous remontrer ça. On va aller mettre ça déjà. Voilà. Quand vous passez sur le pont, il se baisse et là c'est je sais pas ce que c'est du sang ou de la. Ouais c'est du sang. C'est du sang et ça vous fait des dégâts quand vous êtes dedans. Donc si vous tombez dedans, vous devez faire tout le tour par là-bas et revenir par un petit escalier qui se trouve à côté. Donc là c'est un mur invisible, on le voit pas, vous voyez. Hein, voilà. On le voit pas, donc faut passer à travers, et là il y a des imps à dégommer. Donc on passe en sécurité ici, et avec le shotgun, on peut aller se charger des Kaiko Demons. Donc 5 ou 6 balles, en fonction du tir qu'on leur fait, la précision, tout ça. Hop. Voilà. Donc eux, c'est réglé. On passe par là. Lui c'est pareil, on va pas se le faire pour l'instant. On va plutôt aller dégommer ces saletés là. Donc ça c'est une musique qu'on avait déjà croisée hein, dans la mission bonus de l'épisode 2. Donc le gros plagiat, donc je l'avais déjà dit, hein, c'est Pantera Most for a War sur Vulgar Display of Power. On récupère 2-3 petites balles. Alors là, attention, faut tirer dans le tas. Boum. Donc quand on a des balles de shotgun, ça va vite, sinon c'est un petit peu plus galère. Et les débuts des épisodes sont toujours très 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 foireux. C'est pas. Quand on a pas d'armes, c'est pas facile de bien gérer. Bon, alors là il y a un secret, faut le voir, il est là. Voilà. Hop. Un rocket launcher, un petit medkit et des balles de. Comment ça s'appelle? Des balles de shotgun, voilà. Alors par contre, ouais, j'ai fait une gaffe. On peut plus revenir ici quand on est passé. Donc je pourrais pas tuer le dernier Kaiko Demons, tant pis. On peut pas revenir. Donc faut le tuer avant. J'ai oublié ça, voilà. Donc là, on récupère ça et voilà. Et qui est finished! .23, bon le par est de 1.30, hein, c'est très facile, hein, vous voyez, le level design de la map est vraiment très... c'est cubique, c'est linéaire, donc pas beaucoup d'astuces à avoir là-dessus, faut juste tracer. Voilà. Bon, et ben c'était le début de l'épisode 3, c'était pas terrible, mais je vous promets que la suite sera vraiment mieux. L'épisode 3, c'est mon épisode préféré, donc je vous promets ça va saigner. Allez, je vous dis rendez-vous pour la suite avec E3 M2, Slog of Despair. Allez, à plus.